la Bible que tu peux vraiment étudier, tu peux lire dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 8, verset 30, que tu peux dire que cette semaine, je vous explique un petit peu qui est vraiment comment nous capables de Satan, le diable, accès. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, nous capables d'ouvrir la porte. La porte de l'homme, je peux expliquer qui est la cinq la porte qui nous capables d'ouvrir pour donner l'adversaire accès. Et quand il donne accès, nous j'ai expliqué ça semaine dernière, et première chose qui lui servit, c'est l'obligé. J'explique un peu l'obligé, si nous par contre vraiment, laisse-nous diviser par le Saint-Esprit, par la parole, si nous c'est lui, il est capable vraiment de faire beaucoup de tort à nous la vie spirituelle, même nous saluer, même capable en danger, juste à travers l'obligé. Donc ce soir, nous pouvons continuer ce soir, nous pouvons nous la Bible dans l'évangile de Luc. Ce n'est pas un enseignement, mais un rayon de délivrance. Et la délivrance est là pour montrer, éclairer une stratégie qui l'adversaire lui servit pour attaquer un enfant bon Dieu. Je connais tous les jours dans la vie, nous tous dans la désert là, nous tous en vie grandi. Nous tous en vie, nous tous en vie grandi, nous tous en vie progresser, nous tous en vie coster bon Dieu plus, nous tous en vie trouver une amélioration dans la vie spirituelle. Donc, quand nous avons ce désir, ça la soif là, nous avons aussi un adversaire qui veille nous très près. Quand nous avons envie grandir, bon Dieu est content. Amen. Mais le diable n'est pas content. Amen. À cause qu'il n'est pas content, si nous pas vigilants, si nous pas comme sur un point stratégique, qui n'est capable de servir, qui n'est capable de servir comme faiblesse, vous êtes nous en bas. Fait comme dire, nous tirons 5 pas en arrière. Nous prenons une décision, nous disons vous pourrez, vous continuez, vous allez celle là. Nous ne montrons 5 pas de celle là là-haut. Mais ça lui fait bon Dieu plaisir, mais le diable pas content. Si donc qu'il ne dise pas que tu fais 5 pas devant, ça ne pas faire plaisir. Il peut faire tout pour elle et tout le ne dise pas en arrière. Sauf s'il ne nous pardonne l'accès. S'il ne pardonne l'accès. S'il ne pardonne l'accès, nous persévérer dans nos décisions. Et nous laissons encadrer par la parole de Dieu, bel et bien. Si nous faisons 5 pas, nous pouvons capables faire encore l'autre 5 pas. Amen. Nous pouvons capables, Dieu nous pouvons capables. Amen. Mais ce n'est pas donner accès. Amen. Et nous pouvons quitter ce soir une deuxième chose. Quand nous sommes capables de donner accès, il est capable de faire nous du mal encore. Il est capable de retourner nous 5 pas en arrière. Un enfant bon Dieu n'est pas appelé pour qu'il en arrière dans son avenir. Vous voulez dire, un enfant bon Dieu. Pas fin appelé pour retourner l'arrière dans son ami. Tu as tout dans ce moment que nous arrivons là. S'il n'est pas capable de faire 10 pas, au moins il fait 7 pas. Peut-être ce soir. Amen. Au moins il fait 7. Au moins il réussit 7 dans sa racine là, il sait dans sa faiblesse là, il sait dans sa nattrape là. S'il réussit 7, pourquoi pas il n'est pas capable de faire 3 encore. Amen. Dieu est capable. Capable. Dis capacement, faites bien attention avec lui. N'a pas de lui accès. Tout la porte qui est dans le bizarre. Concernant cette église, il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté pour verger les peuples. Parce que ce soir, l'église n'a pas arrêté pour verger les peuples. Et la réunion de dimanche, et la réunion de l'enseignement, et la réunion de délivrance. Papa a arrêté ouvert les yeux. Et en même temps, c'est comme on l'a vu, c'est lui qui a arrosé l'être à Rome. En même temps, peut ouvrir pour nous, pour nous, peut ouvrir. Pourquoi quand nous suivons des précautions, nous amen, amen, amen. Nous nous disons des précautions des fois plus. Amen. Parce qu'il y a de la tête là et pas. Parce qu'il y a de quand il y a la tête, il y a les poils, il y a les pieds, il y a tout. Là. Nous venons de la Bible dans l'évangile de Luc, le passage qui nous désalient, nous pourrions le même passage là. 8:30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il répond, Légion, répondit-il. Quand plusieurs démons étaient entrés en lui, plusieurs démons, pas un plusieurs, c'est une légion.
Laisse nous couvrir la tête, nous bénis Dieu pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, relouvez-toi, Père, vous priez, vous bénis-toi, mon Dieu, vous rendez grâce et vous glorifiez-toi, mon Dieu, vous exaltez, vous donne-toi gloire, vous donne-toi l'honneur, mon Dieu, puissance à toi. Commettre le Dieu qui est bon. Papa, Saint-Esprit de Dieu, vous compte beaucoup de toi, papa, parce que ta parole, mon Dieu, est grand et est merveilleux, est bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi, une petite coucou spéciale à tous qui sont connectés ce soir à la maison. Donc, Dieu bénit tout à chacun de vous ce soir. Amen. Donc, deuxième question, aujourd'hui, je vous parle, la deuxième question, c'est la bouche. Amen. La bouche. Et ça, encore, il y a une question beaucoup plus importante. Comme l'hygiène là, c'est important, la bouche là, c'est important. Amen. Disons, nous dire, la bouche, il y a la porte qui conduit du monde, nous guette la négative, positive, nous guette ce soir. La bouche, il y a la porte qui est capable de conduire un démon dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, dans le bonheur. Pas sur la bouche. Mmh. On va dire, la bouche, il est capable de conduire un démon dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. La bouche est capable de conduire nous là-dedans. Mmh. Nous connaissons la parole de Dieu, nous avons tout, mais si ça, la bouche là, nous pas comme servir. Mais nous comptons tout qui fait nous capables de vivre l'homme le plus malheureux dans nos lives. À qui point le diable est capable de servir cela? Ça veut nous dire, parfois la bouche même, le capable de rendre un démon malheureux, la bouche, nous la bouche, capable de rendre un démon, rendre nous-mêmes malheureux, et aussi le capable de rendre nous dans la souffrance, nous dans la souffrance. Le capable de faire nous malheureux, et souffrir aussi en même temps pour nous là la bouche. La bouche est un tel pouvoir. Par exemple, dans l'épître de Jacques, il parle de l'alarme. Nous vous expliquer un petit peu ce soir qui a des pouvoirs énormes dans la bouche et des enfants de Dieu. La bouche est un tel pouvoir énorme. Il y a un tel pouvoir nous dire de la bouche là. Quand vraiment nous les bon Dieu même, nous les bon Dieu guide ça la bouche là, guide ça la langue là, ça la bouche là, les capables déclenchent ma grande bénédiction dans la vie. Nous la bouche, capable déclenchent ma grande bénédiction, ça la bouche là a tel pouvoir, dans la bouche là tel pouvoir, dans la bouche là tel pouvoir. La vie et le pouvoir, la mort dans la bouche là. Et le pouvoir de bénédiction et le pouvoir de ma malédiction qui sortit dans sa même la bouche qui est bien sortie, là-dedans aussi le mal est sorti. Et la grande bénédiction, nous vous parlons un petit peu avant, qui compte une bénédiction et non dans la bouche, surtout un chrétien. Si qu'on servit, et surtout, n'a pas donné sa bébête-là accès dans sa la bouche-là. Pas donné accès pour servir sa la langue-là. Dieu, donne Dieu sa la bouche-là, sa la langue-là pour les guider, les servir-toi. Bon Dieu, tout le temps pour mettre ce qui est bon dans ton la bouche. T'as vu, tu vois? Amen. Bon Dieu, tout le temps pour mettre ce qui est bon dans ton la bouche. Tu relâches la bouche là dans la main de l'adversaire. L'adversaire met tout le temps ce qui n'est pas bon dans ton la bouche. Et pas bon pour faire toi-même du dos et pour faire l'autre du dos. Pas bon de donner accès pour faire toi-même malheureux et tout pour rendre les autres aussi malheureux. C'est pour cela qu'il nous dit, Dieu il donne nous tout par l'organe dans nos écoles. Nous pisons comme service sacre l'organe. Qu'il soit nous la main, qu'il se soit nous lisser, bien qu'on ait qui nous péqueter, qu'il se soit nous oreilles, bien qu'on ait qui nous pétarder, attendez ce soir, qu'il se soit nous la main, nous bien qu'on ait quelque chose qui nous peut toucher en dehors, qui a porté à nous ou qui n'a pas porté à nous, nous bien qu'on ait qui nous peut poser la main, nous bien qu'on ait nous délipier, nous bien qu'on ait servir,
Nous reconnaissons que code bisa aller, code pas bisa aller, code gain droit rentrer, code pas gain droit rentrer, code autorisé pour poser ou les pieds et code pas autorisé pour poser ou les pieds. Chaque organe dans la vie, il est dans son fonction. Chaque membre dans l'ego est dans son fonction. Et tout cela, si nous livrons nous, si nous livrons ça la vie, ça l'ego la même, nous livrons dans la main de Dieu. Nous mettons tout dans la main de Dieu. Laisse-moi dire quelque chose. Nous pouvons le plus bon chrétien qui nous capable d'exister devant les gens, mon Dieu. Pas devant les hommes. Les hommes quand même commettent mais c'est qui bon si tu parles. Nous chrétiens, nous devons vivre pour nous, mon Dieu. Nous chrétiens, nous devons faire nous, mon Dieu, plaît. Faites tout ce qui est capable. Faites tout ce qui est capable, mais faites le bon Dieu plaisir. Quand tu fais le bon Dieu plaisir, bon Dieu prend plaisir le roi. Connaissons la même puissance pour le roi. Ok? Donc, l'élève qui nous dit, là, et avec cela, bouche la même et ça la langue la même, nous capables de nous dire, nous capables de déclencher ma grande bénédiction. Pense à la bouche là. Des grandes bénédictions. Frère, comment vous êtes capable de grandes bénédictions? Moi, explique-vous. Vous êtes capable de faire une qui saute, vous êtes vraiment arrivé dans la vie, prenant un obstacle, prenant l'interdiction, prenant l'empêchement. Mais seulement, il y a deux qui sont qui peuvent jouer dans la vie, dans ce moment-là. Il y a une qui saute, c'est où la croix? Tiens la croix. Même si la circonstance paraît difficile, si vous l'activez ou la foi, et deuxième petite chose qui est vraiment importante, c'est la bouche. Amen. Vous pouvez vivre devant sa petite chose qui est vraiment. Et je vous dis comme ça, on a un business, on a une petite chose qu'on peut faire, et que ça peut faire, vous trouvez un petit carottement, un ralentissement, et il a-t-il pouvoir dans le Dieu pouvoir? Wow. Et Dieu donne ça. Qui a donné ça? Dieu. Pardon, les gens donnent ça? Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Ou capable de vivre devant ça, qui chose-là? Ou capable de prophétiser? Dieu prophétiser. Ou capable de prophétiser ça, qui chose-là, positivement? Ou capable de dire comme ça? Moi, prends-le dans un contexte comme ça. Et ou une qui chose, un business, un commerce, c'est pas au lieu de travail même. Ou tout d'accord. Ou capable de venir prendre l'autorité que Dieu nous a pour voir là. Ou prophétise-le là. Au nom de Jésus-Christ, toi, la porte qu'il fermait. Moi, ordonne-toi qui ça la porte là, lui ouvert. Au nom de Christ. Seigneur, moi, prophétise l'eau qui chose là, pour pas pousser dans rien. Moi, prophétise l'eau là. Donne bien nos enfants pour la tête et non pas la queue. Donne bien nous pour réussir. Donne bien nous pour la succès. Donne bien nous pour la victoire. Seigneur, moi, prophétise la victoire. L'eau qui chose qui vont commencer là, Seigneur. Amen. Quand il sortit. C'est ça, domaine. Quand il sortit. Et quand on peut causer par la bouche et dans la foi là, les actifs. Chose là qui peut arriver. Amen. Veut dire, le diable est capable de mettre sur la patte sale de sa petite chose là. Mais donc, dis-vous, dis-moi sa circonstance là. Ou dis-vous, dis-moi sa problème là. Ou dis-vous, dis-moi sa business là. Ou dis-vous, dis-moi sa travail là. Ou dis-vous, dis-moi sa foyer là. Ou dis-vous, dis-moi sa famille là. Quand prend l'autorité, on commence à menacer, briser. Le temps commence à prophétiser. Là, on peut larguer là. Tu peux faire? On peut larguer là. On peut larguer. Qui peut larguer? La bête? Bénédiction. Là, quand tu sortis ça? La parole. D'accord? La parole. Quand on peut dire Seigneur, ton diamant pour la tête, non pas la queue. Qui te peut envoyer là? La parole. D'accord? Qui te peut envoyer? La parole. Qui flèche peut sortir là? Là-bas? Et je connais la parole qui a sorti d'être puissante dans sa parole là. Amen. Parce que la parole là est connectée et enveloppée dans la parole de Dieu. Et notre puissance là-dedans. Amen. Jamais quand arrive une circonstance, vous plaignez dans les circonstances. Jamais n'a pas plein de jamais n'a pas accepté une défaite quand on commence à être chose, ou pas qu'on trouve son fruit, ou pas qu'on trouve son rendement, ou pas qu'on trouve la lumière au bout du tunnel. Jamais n'a pas découragé. Jamais n'a pas reculé. Et les questions d'extra-puissants au dedans de sa chrétien. Prends attention ce soir. Ouais. Et les questions extraordinaires dans nous.
La parole de Dieu dit, ce qui t'ont confessé, ça va être pour arriver. Ce qui t'ont confessé, ça va arriver. Quand tu vis devant sa circonstance là, tu vis devant sa problème là, tu vis devant ton réveil là, tu vis devant peut-être un foyer qui peut être extrêmement problème, mais pas seulement un problème, un foyer qui peut peut-être vers la divorce, de la séparation. Et quand les enfants, mon Dieu, tu n'es pas capable de ça, toi. Un enfant bon Dieu pas capable d'être un foyer cassé. Un enfant bon Dieu pas capable d'être un foyer qui va se réaliser par le divorce. Mais là, qui nous est un homme? Les hommes de la prière. Ah, nous sommes un homme de la prière. Là, nous ne pouvons prier, nous vivons devant sa circonstance-là. Seigneur, ton diable, c'est lui qui doit détester le divorce. Doit détester le divorce, doit haïr le péché. Doit haïr un divorce, un remariage. Doit détester cela, Seigneur. Seigneur, vous confessez. Qui vous fait? Vous confessez le sapoyer là. Seigneur, qu'il est vraiment le code à trois fils, qui personne n'a pas rompu sa foyer là. Seigneur, vous prophétisez ce qui doit construire, ce qui doit unir au nom de Christ, personne ne peut pas casser. Amen. Amen. Qui te servi? La parole. La parole est de là? De la bouche. Tenez un business, tenez un commerce, tenez un travail, etc. Tenez tout. Mais passe dans une circonstance, les deux carottés. Dis-moi la jaloux, frère. Dis-moi le père jaloux, tu peux fermer. Dis-moi jaloux, fais mes chances, il fait traiter, il fait tout. Il fait, il a envie de faire, il y en a qu'à, c'est super. Mais toi, tu n'as mon Dieu. Amen. Tu n'as l'autorité. Amen. Tu n'as le pouvoir. Amen. Peut-être vraiment qu'il a fait s'appuyer le cyclone, ça. Tu vis devant cette circonstance-là. Tu vis devant cette question-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends l'autorité, je brise toute ma flèche enflammée du malin, tout mon travail satanique, travail de la sorcellerie, travail méchanceté, toute ma parole vaine, travail négative, toute ma parole qui est prononcée, ma invocation devant l'esprit de l'idolâtrie, je brise et casse. Seigneur, je prophétise de cette question-là. Je prophétise, Seigneur, de la lumière lui pénétrer dans ce qui sort là, Seigneur, tu éclairis, Seigneur, qui ce qui sort, qui rentre dans la maison, Seigneur, finalement, je vois tout le travail de mon armée, ton Dieu, le travail de mon armée, lui pour un béni. Amen. Seigneur, je déclare cela béni. Amen. Pas tant de ce soir. Amen. Je déclare lui béni. Béni pour le Dieu. Je déclare lui béni. Votre parole est sortie. Amen. Amen. Dieu ne doit l'autorité. Dieu l'autorité. L'autorité. Il ne doit pouvoir l'autorité qu'il peut faire. Bon Dieu pardonne sur l'église. Bon Dieu pardonne sur le peuple. Bon Dieu pardonne sur le troupeau. Et l'esprit timide, timide, pleurer, plaigner. Bon Dieu donne sur le peuple un esprit de force. Bon Dieu donne sur le peuple un esprit de force. Devant toutes les circonstances, chrétien disait timide. Amen. Chrétien disait timide. Chrétien disait timide. Encore. Chrétien disait timide. Et servi sur l'auto. L'autorité. Amen. Amen. T'as prophétisé, t'as causé ça. À cause de ce qu'il dit. Quand il dit comme ça, t'as vous dit sa montagne. La montagne. Ôte-toi, jette-toi dans la mer. L'idée, si tu n'as pas. Si tu n'as pas, oui. Montagne là qui fait pour obéir. Oui. Et qui lui dit, si tu dis, le Dieu qui te disait quoi? Causer. La bouche la bizarre ouverte, causer. Oui. Quand tu causes de la montagne, ôte-toi cette de quelle montagne peut causer? Bah, je suis constat, bah, problème, bah, difficulté. Oui. Tu causes sa montagne. Te cause un problème qui va passer dans la famille là, te cause un problème là. Te cause un problème qui peut révolter, violence, violence, querelle, dispute, animosité d'un foyer, te causer. Ce n'est pas rendre un coin à pleurer, ce n'est pas faire un assemble à pleurer, ce n'est pas mon doigt de Lily pleurer pour un mot couvert. Alléluia. Quand tu as l'autorité, quand tu as l'autorité, quand tu as le pouvoir, quand tu as rendu la salle, tu as couvert ton domaine, tu as accepté des faits. Tu as accepté des faits. Tu as montré que ça n'a qui plus faux. L'adversaire, tu as montré qu'il a bien servi.
Donc, tout problème qui est dans ton besoin, prends de l'autorité. Qui faisait quoi? L'autorité. Prends de l'autorité, très causé. C'est un bon Dieu de la bouche. Amen. Et il y a un tel pouvoir dans la bouche. À cause de ça, il y a un enseigne dans l'église à faire attention. Attention, parents, surtout spécialement parents. Attention, parents, pas faire ça et là. Jamais quand il y a un problème, enfants, famille, jamais n'a pas découvert la bouche, bris, bras, mais maudit aux enfants. Fais attention. Ce que Pétier là pour arriver, lui pour porter, il peut arriver. Parce que où Pétier? Où Pétier prophétise le malheur? Où Pétier prophétise la malédiction? Et le diable, comment vous prophétisez? Lui gober, lui. Lui gober, après il exécute ce que vous dites. À cause d'un qui est bris des bras, n'a pas découvert la bouche de la malédiction. Il doit enlever ça, quel il doit enlever ça? Ce que vous dites, ça ne peut arriver. Et surtout, comme tout le monde nous connaît, nous trouvons bien logique, on nous disait, qui sont de mal arrive bien vite. Il arrive bien vite. Mais là, il y a un retour à quelle vitesse Satan le diable travaille dans l'invisible. À quelle vitesse? Peut-être pour la prière de bénédiction, pas qu'on monte jusqu'à l'échelle. Mais comment prononce la malédiction? Instantanément, moi je me suis assis à soi, je suis à ça. Quelque part, je suis à l'aise. Quand le coup de la guerre a peut commencer, le jubilé là peut commencer, il finit coster, il finit être à l'aise. Et comment causer, il commence à exécuter. Comment causer et exécuter? Il pense à y arriver. Et là, plus tard, quand vous enfants, vous-même, pourquoi vous citez moi pour causer, parce qu'il ne faut pas les donner la gloire. Là, tous enfants peuvent passer par des circonstances, par des choses qui permettent de la vie, mais on le rétrécit. Pas de monde qui fait les choses, ou même parents qui viennent mettre ça sur la vie. Ou même plantent ça sur la vie. Ou même on fait ça sur la vie. Ou même on fait ça sur la vie. Ou même on fait sur l'âme attristée. Ou même on fait sur l'âme malhérée. Par qui veut les malhérés attristés? C'est parce que propre là, la bouche. Pas propre la bouche. Et là, plus tard, quand nous offrons la fille, il vit ce que Dieu dit. Il vit ce que vous prononcez le livre. Il vit ce que vous plantez dans son âme, dans son avis. Quand j'offre la vie comme ça, prenez du monde qui vous malheureux, c'est vous-même pour malheureux. Parce qu'il vous vient flèche la main pour vient contre. Quand même, commis quelque chose qui n'a pas arrivé en tant que chrétien, jamais n'a pas dit une parole de malédiction depuis dans la bouche. Pas qu'à ce soir. Bien essayer de comprendre la vérité de France. Et c'est pour cela qu'il plutôt nous tous les temps fait enseigner. C'est pour cela qu'il nous dire quand arrive dans une telle situation comme ça, que nous dire n'a pas laissé le diable qu'un accès. Il y a accès. Amen. Et que ça la bouche là. Amen. Ça la bouche pas pour lui ça. Ça la bouche de nous, bon Dieu de nous pour adorer ça. Bon Dieu de nous pour adorer, louer, glorifier, lire sur parole, cause sur parole, témoigner sur parole, faire du montagne sur parole, cause sur merveille, faire bon Dieu sur éloge. Ça met bon Dieu nous à la bouche. Amen. Ça met bon Dieu nous à la bouche là. Bon Dieu pas nous la bouche pour maudire nous prochains. Si Jésus-Christ même pas de maudire nous qui ne mettait pas le maudit. Le la croix, on a mené le la croix. Peut-être aller ce soir-là. Imaginez, il a mené depuis le la croix. Qui a été, qui a dit mal, je ne ferai du mal. Le la croix qui lui mène Dieu, son papa. Père. Dieu le même. Pardonnez qu'il ne sait pas ce qu'il faut. Mais si j'ai papa, avant de tirer des âmes. Papa l'a pas voyé. Papa l'a pas voyé. Bel et bien, il a voyé. Jésus-Christ même pas de prononce aucune malédiction. Jésus-Christ même pas de maudit personne. Ça, c'est l'exemple. À cause ça même qui fait beaucoup attention. Fait beaucoup attention, même dans le foyer. Il y a un problème foyer. Partout, il y a un problème foyer au jour. De problème foyer, jamais n'a pas ouvert ou la bouche ou même ou maudit foyer. Jamais pas ouvert la bouche ou maudit ou la moitié. Parce que la moitié, ça vous
sorti libre, maintenant il y a un problème. Problème du monde, ou même pour souffrir. Ou même pour souffrir. Et d'ailleurs, maudit foyer, ça n'a pas de Dieu, ça, c'est purement satanique, ça. C'est les enfants, bon Dieu, qui est marié dans le Seigneur, il fait l'alliance, hein, bon Dieu, il est marié dans le Seigneur, le code à trois fils, lui-même, les maudit sa code à trois fils là. Mais ça, ce n'est pas la bouche, bon Dieu, ça. Ce n'est pas la bouche, bon Dieu, ça. Alcoolé, ça qui pense à la bouche, ça, mais c'est. Tu comprends ce soir? Amen. Donc, vous êtes bien vigilant. Vous êtes bien? Vigilant. À cause de qui, vraiment, tout le temps qu'on a besoin de dire, quoi qu'il arrive, dans un moment pareil, de dire, tout le temps, apprendre God le silence. Apprendre God le silence, papa. Ouais. Vous connaissez un grand diffé qui est capable d'alimenter, un bel diffé qui est capable d'alimenter, ou est ralenti ou God le silence. Vous connaissez quand il y a une victoire ou gagne un silence. Vous connaissez qui a des tués au cartel dans le silence? Vous connaissez qui a des qualités et fracas ou capable d'arrêter zit pour garder le silence? Amen. Et ça, il est important, pas seulement garder le silence, et aussi bien garder dans les calmes. Dans les calmes. Dans les calmes. Mais là, qui nous dit, dans la vie de chaque chrétien, et nous bien connaissons parfois qui nous peut causer et que ça la bouche. Qui nous peut causer et qui façon nous peut causer. Et la façon qui nous capable causer, nous capable craindre partout, bien partout, si c'est avec nous la bouche. Et la façon nous capable causer, tout ce qui nous construit, nous bâtir pendant des années, si ce parti nous pas causer, mal causer, pas qu'on était prêt à causer, comment causer, bizarre causer, nous cache tout ce qui nous bâtir peut-être pendant des années. Zisse pas la bouche. C'est pour nous dire que dans les calmes, quand une tempête peut lever, première solution pour arrêter du fait là, pour taire du fait là, God dans les calmes. God dans les calmes. God dans les calmes. God dans les calmes. Amen. Quand God dans les calmes, je vous explique qui passe ce terme. Quand God dans les calmes, on gagne l'occasion pour commencer à réfléchir. C'est ça, commence à réfléchir. Il faut que God dans les calmes, on ne réfléchir. Vous pouvez maintenant réfléchir comment ça peut déclencher, comment il déclencher, pour qui il déclencher. Il faut que God trouve sa race là pour tenir ça maintenant. Là, on garde dans les calmes pour étudier la situation. Tu peux faire là, étudier. L'air là, tu vas rentrer dans la prière, à ce temps-là, le djibouter. Le djibouter, parce qu'il fait. Dans cette djibouter-là, on garde dans le calme. Et quand on garde dans les calmes, veut dire que la colère, il commence à peser. Commence à teindre. Colère là, commence à teindre. Ça, comment vous expliquer? Ça désordre, commence à teindre, ça parole, commence à teindre, mais quand tout finit, commence à querelle, voilà. Quand le querelle dispute, il commence à baisser, on commence à vivre dans les calmes, ou Pékin, pour maintenant, pour réfléchir, et examiner la situation, parce qu'il y a quelque chose pour le faire là. Pour atteindre sa nez, il y a quelque chose pour le faire là. La prière. Ah, parce qu'il comprend rentre dans la prière ou pas pour qu'on rentre dans la prière et que ça la flamme du feu charnel là. Si on rentre dans la prière et qu'on colère et qu'on la rase, non, rien n'a pas pour passer. Ou pas pour qu'on prier parce que le diable finit par contrôle. Mais par contre, quand on garde calme. On garde dans le silence. Différent commence à peser, il commence à taire. On commence à réfléchir. On peut commencer à penser à une stratégie qui vous besoin pour atteindre ça. Différent là. Là, tu peux penser comment pour atteindre. Mais là, le Saint-Esprit pour cause. Là, il vous dit quand, mets-toi en colère, quand on met toi en colère, n'a pas à le péché. N'a pas à le péché quand on met toi en colère.
veut dire les règles que vous sortiez dans le calme, dans le silence. Toi, rentre dans la prière. Vraiment, quelque chose qui te parle faire, Seigneur, me libère sa personne là depuis d'avoler. Me libérer avant. Bon, pas pour caravane prier que sa personne là dans mon équerre. Il pour faire l'obstacle dans mon équerre, dans mon la prière. Il pour faire une barrière extra lourdeur. Il pour faire mon libéré, mon tiré, mon rentre dans la prière, mon pardonne-lui que j'ai fait. Mon pardonne-lui, mon rentre dans mon la prière, mon commence prophétise le mot foyer. Le diable, tout ce flèche qu'il envoyait, nous sommes défendus. Le psaume 91. Là, nous le psaume 91, 10 bouts devant nous. Prononce la parole, liez, commande l'esprit là, pour nous là, pour nous, il faut, pour nous, à côté maintenant, quand il y a l'autorité dans le respect. L'homme finit de lier sa sli, ou prophétise de sa foyer là. On va dormir tranquille, être bon sommeil doux, le matin on lève et tu le rentres dans l'eau. Amen. Tu le rentres? En qui me t'aille ça là? J'ai compté vous? Mais quand bénédiction est sortie du passé? Tu comprends ce soir? Amen. Ce que vous prononcez là, ça même pour arriver. Ce que vous prononcez, ça même pour arriver. Donc, les rêves qui nous disent, pour terminer, à cause d'un qui nous dit, à cause ça la bouche là, il est capable de rendre nous heureux, il est capable de rendre nous joyeux, il est capable de rendre nous beaucoup de succès, mais ça la bouche là, c'est capable de faire beaucoup de malheur, ça la bouche là. Vous connaissez juste pour nous la bouche, pour donner 4-5 questions pour le terminer, 4-5 années, vous connaissez juste à cause nous la bouche, et la du monde capable d'arrêter comme nous. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Amen. Je connais juste à cause nous la bouche, veut dire nous langage qui nous servit. Juste à cause nous la bouche, dis-moi capable d'arrêter fréquent. Pas une vérité ça. Juste à cause nous dit, juste à cause nous la bouche, pas qu'on servit, pas qu'on cause, pas qu'on équipe causer. Juste à cause nous la bouche, dis-moi capable de méfier. Ça, c'est le côté négatif. Côté positif, il montre les autres positifs. Puis quand des puissances énormes et quand même bénédiction, capable de prononcer même dans vos plans. Il y a beaucoup de bénédictions. C'est pas pour faire pas qu'on service à la langue, à la bouche. À cause de nous la bouche, à cause de nous pas qu'on causer, à cause de la façon de nous causer, parfois il y a du monde capable de méfier. Paroles, par nos propres langages, la façon qui nous causait, dit mon capable, évite-nous. Nous devons aller du mal à faire. Accorde-nous la bouche. Accorde-nous la bouche, nous la dit mon capable, pas faire nous confiance. Dit mon capable, pas faire nous confiance. Dis à cause nous langage, nous la bouche. Je vous dis ça, pas capable de faire des confiances. Quand tu t'as dit causer ça, tu t'as dit causer, pas capable de faire des confiances. Je vous dis ça, ça, maintenant évite ça, évite ça, évite ça. Chrétien, évite ça, évite ça, évite ça. Évite ça qui vient. Qui raison éviter? Quel problème a été? Pas tant de la bouche. Si un dimanche, dis-moi, il y a un conseil avec vous. Il y a un conseil, il y a un problème, il y a un conseil. À quoi la façon qui vous causez? La manière où vous causez? À cause de la bouche, dis-moi peut-être qu'il n'y a pas besoin de conseil. Il y a un gaspillage, il n'y a pas de conseil gaspillage, parce qu'il me connaît bien, me connaît sur la bouche. Je connais comment sur la bouche fonctionne. Donc, c'est pour ça que nous dire, ça, la bouche-là, parfois, si nous ne pas conserver, tous les temps pour cause négative. Qui fait les causes négatives? Parce qu'ils jamais, comme si jamais, nous satisfait d'un rien. Ça ne nous satisfait dans rien. Les choses négatives, toutes choses à faire négatives. Les gars, quand même, des sages, quand ils sont dit négatifs. Mais là, pour comprendre, qui s'en a fini prend possession, qui s'en a fini prend possession dans, vraiment, dans sous la bouche. Là, vous devez nous dire, ça nous dit la bouche,
Vrai, la présidente, on parlera de tout ça. Laissez-moi vous dire dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. Il vous dit, je vous l'ai dit, le jour, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement, les hommes, dis-moi pour bien rendre compte pour toute bonne parole inutile. Dans vide, parole merveilleuse qui lui fait causer. Et il allait dire que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras con. Je regardais que ça mène nous. Je regardais que un jour ça peut faire nous tibout et devant qui ça là, mais pour faire nous tibout un jour c'est ça. Nous rencontrons parfois. Dis-moi, par contre, parfois. Qui dansait qui est là-bas, qui dansait. Ça m'a causé premier garde beaucoup dans les silence. Les dimons disent, hé, dites-moi, parole même pas faite dans la bouche, il conga. Dieu sait qui t'en dit toi. Moi, je vais protéger mon âme et mon salut. Attendez ce soir. Moi, je vais protéger moi qui fait 10 mètres parce qu'il me connaît, on va 10 bouts au jour du jugement, on va 10 bouts. Et qui va causer, qui va le répondre? On va répondre ça. Combien causer n'importe pour causer. Le mot mauricien va vous servir. Amen. Combien causer n'importe pour tirer. Causer n'importe, ça peut causer 20 dans vide. Dans vide. Parfois, il y a même chrétien, heureusement ici, là. Parfois, il y a même chrétien. Demande les causes, mais les causes. Je vais vous faire serment le bon bon Dieu. Faire serment le bon Dieu. Et bon Dieu, la Bible qui vient, qui ne nous paraît pas faire serment ni par le soleil, ni par la terre, ni par le ciel, ni par la terre. Qui te oui, qui te non lit, c'est tout ce qui peut ajouter les vignes du mal, du malin. Là, Dieu vous fait serment le bon Dieu. Le rien, il n'y a pas trop l'équipe causée. Qui ne nous pas prend le nom de l'éternel en vain. Parfois, nous attendons qu'il nous fait causer. Et je suis un peu connu, vous terminez. Je suis un peu connu que dans l'aïté, on nous dit déjà, explique ça. Vous connaissez que dans l'aïté, quand on la connaît, que dans l'aïté, la déplace qui s'allie dans l'aïté, chrétien, vous êtes veillé là, dans le moment de colère. Dans le moment de colère. Là même, le diable infini costé. Les diables ont l'or, beaucoup de la bouche. Ouvrez la bouche, toi. On met ce pisse là, on met ce pisse là. Et on est qui l'est causé, lui-même pas connaît qui l'est causé, mais c'est vraiment tout ce qui l'est causé qui est du mal. Il y a une malédiction. Le diable est fini compris. Plus tard, quand il y a le réfléchi qui l'est causé, il est trop tard pour lui. Mais pour le diable, c'est le plus grand moment, la plus belle histoire. Porte aux paroles, Jacques d'André, tu es terminé. Porte aux paroles, ta colère, la déplace d'attention, déplace ta colère et de la frustration. Déplace dans les rêves chrétiens. Si tu préglisses à la bouche là, massacre-toi. Là, tu as fini de causer, tu as perdu la paix, tu as perdu la joie, tu as perdu tout toi. Tu as malheuré, tu as bouleversé, tu as troublé, sommeil, tu as fait gagner, manger, tu as fait rentrer. Par qui te mal qu'on a toi? C'est toi même. Par la bouche. Tu as la bouche, il vient en danse. Tu as la bouche, il vient ton malheur. Ça même qu'ils jamais, dans ta décontexte là, jamais, dans un service. Vous connaissez qui vous peut dire au nom de Jésus-Christ. Jamais n'a pas maudit le fruit de l'entraille. Hein? Jamais n'a pas maudit ou la moitié. Et jamais n'a pas maudit ou la famille. Arrive ce qui arrive. Abaissez. God calme. God le silence. Humiliez-toi. Acceptez perdu. Juste pour les diables pas gagné accès. Juste qui dit pas gagné accès, papa. Tant qu'il nous cause nos paroles, tant qu'il nous parole et la poids,
Et non, vraiment, bénédiction notre parole. Nous prenons bénédiction pour les autres. Qui nous prêtait? Pareil que moi, Moïse. Moïse, quand il rentre devant Pharaon, Moïse, même Dieu, mon Dieu, moi, pas connaître qui vous pose mes paroles. Vous connaissez quand Moïse dit à Pharaon, peut poser Pharaon, ça peuple d'Israël là. Moïse, c'est une bénédiction pour le peuple d'Israël. Amen. Qui c'était? Une bénédiction, un sauveur pour le peuple d'Israël. Amen. Pendant qu'il fait cause avec le Pharaon, il réclame le droit de la délivrance, la liberté. Moïse est sauveur pour sa peuple-là. Vous connaissez qu'on peut adresser, avec un dimon. Vous pouvez connaître, surtout qu'un dimon d'un tifé, d'un problème. Vous pouvez adresser avec lui, vous adresser la parole avec lui. Dans sa lèvre-là, comprends bien, vous soulignez mon mot. Dans sa lèvre-là, vous commencez à devenir un sauveur pour lui, une sauve. Amen. Vous êtes un grand vent? Vous êtes un grand vent? Comment dire, bon Dieu, n'a pas eu tout ça. Et non plus, quand il y a un problème, il trouve. Aïe, alors on a un autre problème de l'île, tu vas voir. Tu comprends? Problème d'un côté. Problème d'un côté. En ça même, la bouche, nous sommes capables de. Nous sommes capables de faire qui saute à l'inexistence d'une allée. À l'existence. Par qui? Par la bouche. Avec la parole. Amen. Oh, la parole nous capable bénir. Amen. Oh, la parole nous capable bénir. Oh, c'est la même parole puissante qui saute dans la bouche. Nous capable prier pour les malades seront guéris. Amen. Amen. Et c'est la même la bouche nous capable ressusciter un mort spirituellement. Amen. La mort spirituelle. Pas ton nom? Oh, c'est la même la bouche nous capable ressusciter un chrétien qui meurt spirituellement. Donner la parole, ça ressuscite lui spirituellement. Mais je l'irai d'écouter, il n'irai pas. Mais c'est vrai que c'est une parole, nous capables de tuer un chrétien spirituellement. Mais comprends ce soir? Amen. Si vous êtes capable de ressusciter un chrétien spirituellement en sa la bouche là, fais bien attention. Si le bébé là a accès à la bouche, nous donne lui ça pour lui servir, vous êtes capable de tuer un chrétien spirituellement. Vous comprenez ce soir? Oui. C'est un bizarre beaucoup, là, ça l'apôtre là. Un l'apôtre ça. Un grand l'apôtre ça. Regardez, on a dit un grand la bouche ça. Un grand là? Oh, un grand là? Un grand l'apôtre ça. Si tu confirmes, mais carnat, tu veilles l'auto l'apôtre. Mm. Tu même ton gardien de l'apôtre, tu as cet esprit. Gardien, c'est l'apôtre là, papa, cet esprit. Pas laisse les apôtres dans la bouche. Et pas laisse les apôtres sont dans la bouche. Et vous contrôlez toi. Les vous contrôlent toi, les vous guident toi, les vous dirigent toi, les vous enseignent toi. Mais si tu ne peux pas mettre la main du Saint-Esprit, tu laisses ta porte là ouverte. Un autre côté, le tac à l'écosté, je ne vais pas dire Jibel, mais Jibel, l'asne, fromage, tout vous mettez là-dedans. Là, tu es pour malheureux. Jamais quand tu ne passes d'elle qui sort, jamais l'auto-même n'a pas confessé négatif. L'auto même pas confesse malédiction. L'auto même n'a pas prophétise malédiction. De derrière. Qui te peut passer, toi, tu es celle qui sauve toi. Peut passer comme ça, moi prophétise la bénédiction de mon la vie. Amen. Les enfants là, comme ça, les comme ça, pas comme ça, vous pouvez faire sortir. Mais si vous pouvez faire sortir, bon Dieu, qu'a sortir. Amen. Ça qui sort en nous. Ça sort en nous. Dieu est en nous. Oui. Dieu est en nous. Mais si Dieu est en nous, Dieu va qu'à nous enfants. Ben qu'on s'en appuie-nous le bon. Appuie le bon Dieu, mais seulement n'a pas maudit nos enfants. Oui. Pas maudit. Si tout le monde te peut maudit, le bon Dieu qui vous fait là-dedans. Là, quand Dieu est sans les potés, Seigneur, délivrer mon petit. Mais c'est qui plante ça? Ben qu'on voit ce soir? Donc, ne donnez pas accès au deuxième la porte qui est capable de gagner, c'est nous là. Premier la porte. Deuxième la porte. C'est un conseil de l'autre. Troisième la porte, beaucoup important. Laissez-moi donner vous ce soir. Amen.